Attends. Attendez, je recommence. Ça va aller, monsieur? Il a une vie de merde, ce gars, c'est ouf. Du coup, bon. Prépare la facture fois deux. Alors, oui, je prépare la facture. Alors, du coup, cette fois, ça sera la même facture, j'imagine, hein. Mais sans le transport. Sans le transport. En VIR. Allez, on t'enlève 1000 dollars dessus. Ah oui. Non, c'est 2000. On enlève juste ça. Ah, cette chute, elle est incroyable. À vous. Il est où Jésus? Eh hey, monsieur, faut pas jouer au loto, je vous le dis. Hein. Jésus, reviens. Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vous laisse remonter sur la table, s'il vous plaît. Oui, ça fera 100 000, hein. J'ai une cote en moins, Al. Oh, par contre, on a un fauteuil roulant qui fonctionne. Alors. Mais non. Regarde. On a trouvé. On a trouvé. On a trouvé. Vas-y, regarde. Mais non. C'est le Saint Graal. Mais de l'essence en plus. Mais putain. Ça, on pourra le faire remonter, tu vois, l'information de ça. on peut faire ça. Faudrait que tu l'enlèves. On remet en PLS pour me faire palper les couilles. Ah ouais. Alors, du coup. J'ai jamais autant pleuré de rire. On va vous compter la facture x2, sauf qu'on vous enlève cette fois le transport, monsieur. Il y a du sang, j'ai glissé. Mettez tout, c'est bon. Je suis place après. Je crois qu'on en est à 230 000 là. Mais ouais, je pense que c'est plus sûr de rouler en caribou quand même. Caribou. Monsieur, ça n'est pas piloté un malheureux fauteuil roulant. Faire un caribou. Comment ça, je sais pas piloter un fauteuil roulant? Bah, vous êtes tombé de la salle de bain. C'était drôle. Ah bon? Merde. J'ai jamais vu quelqu'un faire une chute comme ça. La tête la première, comme ça. Aucune volonté de se retenir, c'est incroyable. Mais c'est surtout que ça m'a fini, quoi. Ah, ta vie, elle est mémorable. Tu devrais écrire un mémoire, la vie de la merde. C'est sérieux, qu'à moi ce genre de merde, gros. Un putain de mémoire, tu devrais nous écrire. Sérieux, qu'à moi. Pignon dans le dîner de con. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pierre Richard, frère, tu sais. Je crois qu'on a perdu Chichi. Et tu sais ce qu'elle faisait? Elle cherchait sa GoPro là. Oh non. Oh, je pleure. Si par contre elle la retrouve, qu'elle m'envoie. C'est des gens à terre qui ont besoin d'aide. Ouais, mais y'a des gens qui sont tombés, hein. À l'aide. Tu veux leur dire, mais sans garde. J'ai mal, hein. Il y a le médecin de garde au comptoir. Il y a 5 médecins qui sont en train de me palper les couilles. Ils ont autre chose à faire. Pas médecin, on est DRH. Attendez, je vous repasse la location, monsieur. On va essayer. Mais par contre, faut pas qu'il retombe. Ouais, non, mais attendez, je descends. Hop. Mais non. Mais c'est reparti pour une heure, putain. Aïe! Oh non, il est encore mort! Mais non, c'est pas vrai! C'est une blague! Oh non! Vous avez dit de le laisser par terre! On a deux fauteuils maintenant! Ouais, t'es obligé. Oh putain, bon, allez, j'y vais. Fais gaffe sur la route. Ouais, fais attention pour pas trop vite. Je t'emmerde. Allez, à plus, ça roule. Ouais, ça roule. Attention. Ouais, ça roule. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va être beau le bêtisé sur la boucle. Non, mais non, tu fais pas d'effort, je te jure, tu fais pas d'effort. Oh, mais c'est une blague, t'es encore tombé. Il est encore tombé du fauteuil. Il ira pas jusqu'au magasin. Mais non, il va jamais y arriver. Je crois pas une seule seconde. Comment il fait ça? Comment c'est il un fait fauteuil quoi roulant. Bah on l'a mis en fauteuil roulant parce qu'il a eu les deux jambes terrible cassées. Terrible chute, ouais. Ah ouais, oh le pauvre. Ouais. Oh le pauvre, non, c'est Pierre Richard, lui. Ah ouais. Lui, c'est... Oh, il passe plus de temps ici que chez lui.
à l'aide, je suis tombé. Ouais, il est tombé encore, mais non. Attention. Il est gentil, monsieur Pino. Il est plus gentil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut ouvrir la porte le parce dîner, que ça passe pas. Hein. Le